Salut à tous, chers élèves, bonsoir. Ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. J'aimerais que tous mes élèves font l'analyse du produit avant de commencer la modélisation. Ça veut dire, ici par exemple, nous avons un capitonné. Un capitonné, ça veut dire normalement des boutons qui font de la pression sur une matière de cuivre. Une matière de cuivre qui est renforcée. Ceci fait un certain résultat, qui est la pli entre les boutons. Alors ça, c'est, je trouve que c'est juste. Le bombage dans cette zone-là, Puis, je regarde ici, je ne trouve pas de sens. Il n'y aura pas de pli ici. Alors, je regarde sous Turbo Smooth. Je trouve que vous avez fait le même extrude ici. Ça n'a pas de sens. Oui, je regarde là, ça n'a pas de sens aussi. Alors s'il vous plaît, faites les plis là où il faut. Faites le bandage là où il faut. Gardez la rondeur à l'extrémité de la pièce en cuir. Faites du bombage au milieu d'une zone entourée de boutons. Faites les plis entre un bouton et l'autre. Voilà. Je vous laisse la liberté, par contre, de ne pas mettre de boutons ici. Parce que lorsque nous avons vu ensemble la vidéo de la vraie construction d'un canapé Chesterfield, il n'y avait pas de boutons dans les coins. Alors je vous laisse la liberté pour les boutons dans cette zone-là. Puis c'est tout. Gardez la même interprétation du cuir. D'accord? Alors, bonne soirée et bon travail. Au revoir.